Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui, avec le frérot Chef là. Ça dit quoi, mon gars? On est là, Mediatech, là où on a fait notre premier clip. Tu connais avec les photos. Slay. Cableon, voilà, notre rappeur de la zone. Là, j'ai le photo zone. Nero aussi, qui j'ai fait un feat aussi. Khalios. Kira, notre rappeur aussi de la zone. Et voilà, on est là, tu connais. Bon, avant tout, je te laisse te présenter, frérot. Ben, moi, ça, voilà, c'est Chef là, je viens d'Andaï. Tu connais, j'ai grandi ici. J'ai fait toute ma vie ici, là. J'ai commencé le rap il y a 3-4 ans. Ça s'est lancé il y a 2 ans. On avait fait un premier clip en Royaume, mais vas-y, la chaîne, on l'a perdue. C'est-à-dire, on a fait après un autre. On a créé une autre chaîne et tout ça, deuxième clip ici. Et voilà, après ça s'est lancé. Bah, présente-nous un peu les rappeurs du coup, précisément, ce que tu nous as dit là, vite fait, mais... Il y a Mero. Ouais. Il est aussi lui, t'as vu, il rappe avec moi. Ça dit quoi? T'as sorti des trucs un peu toi, ouais, ou quoi? Ouais, j'ai sorti un son avec lui. Avec moi. Khaleos. Après j'ai sorti un son avec lui. Je connais. Et voilà, estamos aquí. C'est rien. Moro, mexicano. Toutes les nationalités. Il y a tout. Il y a quoi comme nationalité ici? Moi, c'est français 100%. Ouais. Voilà. Toi, frérot, toi, t'es latino, toi? Équateur. Ouais. Toi, t'es d'où, toi? Podemos hablar en español. T'as dit d'onde eres? Yo soy marroquí. Ah, pero hablas español también. Yo es que mira, soy una mezcla. Soy medio marroquí, medio búlgaro ruso. Oh. Muy rara la mezcla, ¿eh? Sí, pero es una buena mezcla. Luego, entonces, yo he crecido en España, por eso el idioma que hablo normalmente es español. Pero si no, je peux essayer aussi de parler un peu en français. Ah, c'est je bien. Comprends, ça, je comprends tout. Mais parler, vas-y, je me débrouille, mais c'est... je suis pas pro, quoi. Pas encore. Ça dirait, y a qui d'autre qui rappe, du coup, là? Lui, là toi aussi, frérot. Il est bon, lui. Moi, je suis d'origine Tunisie, DZ, tu connais. Vas-y, moi je rappe depuis 4-5 ans, carrément. T'as pas trop sorti de trucs et tout? Si, j'ai sorti un clip. Un clip, ouais. Un clip. Tranquille. Mais prochainement ça arrive, là, j'ai en train de voir. Après, à plat de son coffret, en fait, et t'as vu, on a un clipper, et pas tout le temps disponible. Là, c'est un peu dans l'ombre, t'as capté. Ouais, c'est ça. C'est un peu coffret, mais bon, ça va arriver. C'est ça, ça va arriver. Ça a clippé, là, devant la médiathèque, tu m'as dit. Ouais, ici, ça fait... On a fait moi, mon premier clip. Après, on a fait Yedou 2. On a fait quoi aussi? On a fait Freestyle Réel. Khaleos, début. Non, Khaleos, c'était... Je crois qu'on a tourné aussi au NCN ici. Et oui, ils ont fait Kira aussi, ouais. Et pas 0-0. On a clippé là-bas, là. Ensuite, on est parti dans la ville. C'est vrai, on a tourné pas un petit peu partout dans la ville d'Andaï. On a fait Caneta, là, il y a le port. Après, il y a un quartier un petit quartier, là, Orio. On a clippé là-bas aussi. C'est-à-dire que c'est comment, Andaï? Ça se trouve où? C'est comment, Andaï, en fait? C'est le sud de la France, t'as vu, c'est la frontière espagnole. Là, on est juste à côté de Irún, Saint-Sébastien. Sébastien, on prend le topo, on y est en 30 minutes. Et après, il y a quoi? Il y a Saint-Jean et tout ça. C'est rare de trouver des rappeurs ici un peu, non? Ouais, il n'y a pas beaucoup de rappeurs. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs. Après, il y en a, mais c'est juste ils sont cachés. Il y a personne qui sort des trucs, t'as vu? Moi, j'étais le premier à sortir un son d'ici. Après, t'as vu, il y en a d'autres qui sont lancés. Quand même. Bon, mon frérot, comme ici, on est collé à l'Espagne. J'imagine le mode de vie est différent ici. C'est bien, t'as vu. Il y a des trucs bien et des trucs mauvais. Côté espagnol, c'est-à-dire il y a des trucs moins chers. Pour aller faire la fête aussi, c'est pas mal. C'est facile. Pour les jeunes et tout ça. Quand t'es jeune, tu veux sortir et tout ça, c'est bien mieux. Bon, après, je sais pas. Enfin, nous, on est un peu enfermés ici. On n'est pas trop de gens d'ailleurs. C'est vrai, c'est le bout du bout, on va dire. C'est la dernière ville de France. Il n'y a pas trop de gens qui viennent ici où t'as vu les touristes et ils restent pas longtemps. On ne fait pas des contacts de fou, quoi. Alors, faut bouger. C'est-à-dire quand ça rappe, rapper ici, ça doit être plus dur forcément que... Ouais, bien sûr, c'est plus dur, mais après, si ça doit se faire, ça se fait. Parce que par exemple, il y a des gens qui rappent ici, t'as vu, ils pètent un peu, tu vois, même Bayonne et tout ça. Déjà, ouais, ouais. C'est-à-dire que ça peut marcher. Il faut juste la donner, en vrai, on verra bien. Bon, tu parles espagnol un peu ou quoi, toi? Ouais. Tout le monde parle espagnol ici ou quoi, Andaï? La plupart, ouais. Après, il y en a. Mais par exemple, il y a du Mexique, t'as eu. Attends, t'es mexicain, toi? Ouais, franco-mexicain. Voilà, je viens du district fédéral, la capitale. Et ça a clippé, ça a clippé de quel côté de la ville un peu? Tu m'as dit, ça a clippé par. Après, plus au nord, mais vas-y, après, là, pour y aller, ouais, c'est long. Ouais. Ça sert à rien là-bas, il n'y a personne pour l'instant. Ouais, ouais. Quand tout ça à la plage.
Ah, ça qui est bien aussi ici, ouais, c'est quand ça galère, tu peux cash descendre derrière la plage. Directement, t'as tu vas passer du bon temps là-bas, il y a des bars et tout. À ton petit verre, tu vas à la plage. Quoi, après on passe à la frontière ou quoi? Ah, c'est quoi après, t'as vu, on passe à la frontière avec. Ouais, c'est juste à côté de toute façon. Ouais, là-bas, on a des gens là-bas. Il y a plein de monde, je crois. Et justement, justement, c'est bien connecté avec les mecs des Parme de Iroun, Saint-Sébastien et tout. Si, en plus, je viens d'Iroun, tu vois. Toi, tu viens d'Iroun? Moi, j'ai mon cousin, il est à Saint-Sébastien aussi. J'ai deux cousins là-bas. C'est pour ça aussi, quand ils m'ont dit que t'es à Saint-Sébastien, j'ai flippé. Je me suis dit. Mais après, cool, quoi. Mais quoi, ça veut dire que c'est différent un peu entre ici et l'Espagne ou quoi? Genre les gens là. Là, ici, c'est une petite ville. Les gens qui appellent quelqu'un, ici il n'y a pas de gens. C'est plus espagnol que français, il y a plus d'espagnol que français. Mais il n'y a pas de gens. Bon, genre, il n'y a pas de commerce, il n'y a que vraiment les gens qui sont dehors. En vrai, tout se passe en Espagne, ça veut dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, ça se passe à la nuit, quoi. Ici, les gens qui sont dans la nuit, ils dehors, ils sont pas des. Ils sont pas des gentils, quoi. Ici, il se passe des trucs, mais c'est. T'as vu, c'est plus discret, ça passe là, mais y a pas beaucoup de choses, tu vois. Ouais, ouais. Moi, de ce que je connais, moi, ici, les gens qui sont bien en place, ici, ils commencent ces trucs, quoi. Ici, en Dine, vu que c'est une ville tranquille, mais ici, ils commencent ces. Tu vois. Il y a pas trop de police et tout, c'est pas comme ça. Ah, ouais. Oui, voilà. Moi, j'ai de la famille à Nantes et tout ça. C'est pas pareil. Il y a pas là-bas. Les condés qui passent toutes les 15 minutes. Oh là, on arrive quel côté? On est vers la mer. Là, tu vois, nous, on a clippé ici, là. Juste en face, c'est l'Espagne. Et avant, ça, juste là-bas, c'est l'Espagne. Juste là-bas, c'est l'Espagne, ça veut dire voilà. Ah ouais. Ok, ok, ok. Juste en face, c'est l'Espagne. Tu peux prendre le bateau et tout, tu vas prendre l'Arabie. 12 euros. Tu peux y aller en jet ski et tout. Putain, c'est bien, hein. 12 euros, t'es en Espagne en bateau. Là, c'est. Non, ici, c'est pas. Tu vas en vacances. C'est. T'as clippé quoi ici? Ici, j'ai clippé le surf. Ouais. La première clip que j'ai sorti sur la chaîne, là. Et le type il filme sa haine, frère. Sa rage bandit, il fait des dingueries. Il fait dingo. Il tient faire gris. Dingue d'euros qu'a coulé dans le fort gris. Du coup, t'es le premier vraiment à avoir lancé des clips qui vient d'Andaï. Ouais, vraiment. Après, c'est la place de Caneta. La place de Caneta. La place de Caneta, t'as ici, nous, on se pose. On fait des petites soirées barbecue et tout ça. Ah, c'est carré. C'est carré. C'est dire là. C'est quelle ville tu m'as dit? Fontarabie là. Ouais. Et après, en fait, il n'y a que ça qui sépare la France et l'Espagne, c'est l'eau quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'eau. T'as vu, juste, en fait, là-bas, il y a un pont. De l'autre côté, là, on voit pas. Mais il y a un pont et t'as vu, c'est. En gros, là-bas. Traverse, après, t'arrives aussi, à l'Espagne. Ouais, ouais. Ok, ok. Quoi, ça veut dire que ça écoute un peu de rap espagnol ou quoi? Bah, bien sûr. Bien sûr. C'est moi, hein. Obligé avec moi sans obligé. Voilà. Tiens, toi, chef là, c'est qui? Il y a qui que tu connais peut-être comme rappeur espagnol que t'écoutes de temps en temps peut-être? Il y a El Patron déjà, t'as vu? Ah, lui, il m'a montré, t'as vu, j'ai bien kiffé. Cyril Kammer, après, t'as vu, il y en a plein. Il s'appelle Yom Saria. Yom Saria aussi, ouais, lui, c'est un rappeur d'Iroun. Ah ouais? C'est un gars qu'on connaît bien, tu vois. Lui, rap d'Iroun, il a sorti un clip aussi. À 40 ans. Ah moi, il a fait au début à la blague. Mais c'est Nasser Rap récemment qui l'a clippé, ce mec. Ah. Ah ouais, voilà. Et d'ailleurs, toi, tu clippes avec qui, toi? Même, tu vas où au moi, studio? Moi, je clippe avec Enzo Bustondo, l'expériment de création. Ouais. T'as vu, en mode, c'est un contact qu'on a eu grâce à. Moi, j'avais des potos à Londres, qui est aussi rappé, tu vois. Un gars qui s'appelle Karma et Tama. Et t'as vu, ils nous ont donné ce contact et tout ça. Ça veut dire qu'ils nous faisaient des bons tarots. Ah, il descendait, tout ça. Il a fait un putain de voyant, il nous a fait plein de clips. Voilà, du vrai matériel. Voilà, du vrai matériel, t'as vu, ils venaient pro et tout ça, t'as vu. Et après, pour enregistrer au studio, on a fait avec SO Le Blue. Sauf qu'après, lui, il a dû arrêter tout ça avec des petits soucis. Du coup, là, maintenant, moi, j'enregistre chez OG Productions. Hey, des studios Hyundai. Il y a un petit studio Hyundai, mais c'est un mec, t'as vu, il travaille, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps disponible. Et quoi, du coup, c'est, comme on a dit, ça doit être dur aussi niveau visibilité ici. Ah, il n'y a pas trop de vie, il n'y a pas trop de même de. On se donne pas trop de force en soi, t'as vu. Il n'y a pas trop de gens qui partagent parce que ça ne sert pas trop à grand chose ici de partager. Point, vu, ils aiment le rap et tout. Ouais, c'est vrai. C'est mal vu, très mal vu. Mais de plus en plus, tu vois, c'est les jeunes, c'est pas les anciennes générations. C'est plutôt fermé. C'est ça. Basque, c'est comme ça. Déjà, quand on clip aussi, même les gens nous regardent très, même très les bizarre. Grands, les grands, ils sont pas trop contents. T'as vu pas ton clip? Ah, ils disent ouais, il y en a, vous appelez l'attention, bah, c'est cartage. Du coup, c'est pour ça, on va dire, dans le 64, même dans le 65, il n'y a pas vraiment beaucoup de rappeurs. Non, il n'y a pas.
Ici, c'est. En fait, il y a des rappeurs, mais. Des rappeurs, t'as vu en soirée, t'as vu. Ici, c'est un endroit où les gens ils font des choses. Pas des rappeurs vraiment. Ils veulent que ce soit. Secret quoi. Discret, vraiment, on parle pas. Les gens. Déjà, t'es habillé comme ça, les gens ils disent pourquoi tu te mets un maillot, faut que t'appelles l'attention, je sais pas quoi, pourquoi la sacoche. Vas-y, c'est ce qu'on aime quoi. Ah ouais. Il est où le problème? Et quoi, en Espagne, c'est pareil aussi, c'est mal vu un peu ou c'est ouais, c'est... En Espagne, le problème, c'est que la ville, elle est un peu plus grande. Du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut. En Espagne, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Là, Irun. Les gens, ils peuvent dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça, mais après... Surtout, on connaît tout le monde en Espagne. Voilà. Enfin, surtout à Irun. La mentalité, elle est différente. Et la mentalité, elle est différente. Et si t'avais, c'est le rugby et tout ça, t'as capté. Ouais. C'est ça qui change. La mentalité. Ils font pas du rap. Ouais, on est à 5 minutes, hein, mais la mentalité elle change beaucoup. Moi je le sais parce que moi j'ai habité là-bas en Espagne. Ouais, du coup, je suis venu ici, voilà vraiment, c'est à 5 minutes quoi, mais ça change. Voilà, ça change. Ah bah pas lié, c'est des racistes. Ah là-bas ils sont racistes. Ici, là. Ah ici, ah, ici. Ici, ici, ici. Ouais. Mais ici, ici les Condés. Les Condés ils sont ici à cause de quoi? Ouais, les Italiens sont là que pour les migrants, les Condés Italiens ils n'ont rien à péter. Voilà. Ouais. Carrément, ils nous croisent, ils nous disent bonjour, ils ne nous contrôlent pas. Parce qu'il y a des trucs, il y a des histoires de migrants et tout ici ou quoi? Ouais, si... t'as vu, il y a les migrants, ils passent la frontière espagnole, c'est par ici qu'ils passent, tu vois ce que je veux dire. Il y a une enquête. Il y a même beaucoup de morts et tout ça, t'as vu, c'est bien chaud. Mais ici, il y a une enquête parce que les flics, ils croisent des immigrants avec des cicatrices, mais récentes. Parce qu'ici, dans cette zone-là, je sais pas si c'est ici ou à Irun, je sais pas. Mais il y a du trafic d'organes quoi. Ah, trafic d'organes? Oui. Ah ouais. Et du coup, ils croient que c'est les immigrants, sans papier ni rien, avec des trucs comme ça, mais récents quoi. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont extirpé des organes et tout ça, voilà. Ils ont commencé à faire une enquête. Et après, même les gens qui essayent d'aider les migrants et tout ça, ils se retrouvent en garde à vue, nous par exemple. Mais même, ils ont retrouvé la mère d'un pote à nous, 68 ans et tout ça, elle a fait, je crois, 24 heures de garde à vue. Ah, ouais, 24 heures de garde à vue juste parce qu'elle a pris des migrants dans sa voiture. Ah, juste pour ça. Putain. Et ils ont retrouvé des migrants dans la rivière et tout. Ils ont retrouvé des migrants dans la rivière morts. Et aussi, avec les trucs là, les cicatrices. Les cicatrices. Genre ils l'ont sorti des organes et après ils l'ont jeté dans la rivière. Mais ah ouais. Après, oui. Je sais pas, cette ville elle cache des trucs. Et quoi, vous êtes branché avec des rappeurs de Saint-Sébastien un peu ou quoi? Saint-Séb, ben ouais, comme je t'ai dit, TKZ. Non, Nasser. Nasser aussi, ouais, t'as vu, lui, il a fait quelque chose avec lui. Ouais, j'ai fait un feat, ouais, deux, trois feats. Ouais. En fait, c'est ça, c'est vraiment plus relié à l'Espagne que la France ici, ouais, quoi. Ça. Bah oui. C'est pour ça qu'il faudrait que ça soit. Après, t'as vu, on connaît quelques gens un petit peu en France aussi qui rappent. Moi, je sais, t'as fait une vidéo avec KDR. Ouais. T'as vu, lui aussi, j'ai un peu parlé avec lui, t'as vu. C'est un bon aussi. T'es... Normalement, je devais faire peut-être un petit truc avec lui. On va voir. Bon, alors, frérot, on arrive où maintenant? Là, on est juste à la frontière, t'as vu, là, c'est le premier pont. À côté du CEF. Et là, il est bloqué. Et là, il est bloqué pour l'instant à cause de. Mais, du coup, des migrants et tout ça. Enfin, à cause de la police du coup qui essaye d'attraper les migrants. Et du coup t'as l'autre pont de juste derrière là, t'as trois ponts, t'en as un, c'est le topo du coup qui t'amène jusqu'à Saint-Sébastien devant derrière Saint-Seb, et après t'as l'autre où on peut passer du coup à pied. On va aller voir de toute façon. Là, on va passer après là-bas. C'est à dire l'autre côté direct Espagne, hein. Là t'es direct en Espagne, de l'autre côté il y a les tabacs, tu sais, c'est la frontière, les bouteilles d'alcool et tout ça, t'as vu, c'est tout là-bas. C'est le topo qui t'amène à Saint-Sébastien. Ah, c'est ça le topo alors? Oui, voilà. Direct, tu vas à Saint-Sébastien. Là, tu vas direct à Saint-Sébastien. Tu peux même y aller à Bilbao. Même à Bilbao, ouais. Ouais, voilà. Ah, en fait, c'est comme le RER, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà. Du coup, là, t'as vu, là, il y a des rues, t'as vu, moi, j'habitais rue des Déportés. Et en mode, c'était un truc où en mode, bon, il y a longtemps, t'as vu, pendant la Deuxième Guerre, pendant que Hitler et tout ça, ils passaient pendant les frontières, quand ils ont rencontré Franco et tout ça, et ils posaient les Juifs, t'as vu, ils mettaient là dans les maisons et tout ça, bon, mais c'était pas comme ça, tu vois. C'est ça, c'est là, on rentre en Espagne, t'as vu, il y a le panneau. C'est ça, hein. C'est pas le seul pont, tu m'as dit. Ouais, non, c'est pas le seul pont. Là, il y en a un autre là-bas, là. En mode.
C'est le pont de Béobit, t'as vu, c'est une autre frontière. Là, c'est la frontière de Jérôme de Ficoba. Et l'autre, c'est Béobit. Et t'as vu, c'est les deux parents qui t'amènent à la même ville, Jérôme. Là, ici, t'as vu, c'est là où. T'as vu, si t'es touriste, tu viens à la frontière, tu emprunté de garot, ton bilan, ta bouteille d'alcool. Y'a toujours du monde qui est là. Après, on va passer, tu vois, les gens, ils te disent, wesh. Tu vois, ils te disent, ouais, tu mets un petit peu. Quoi, du coup, c'est. Y'a tout moins cher ici. Ah, y'a tout moins cher, tout moins cher. Les garros, c'est 5 euros le paquet, 5 euros 50. L'alcool, pareil, c'est moins cher, tu vois, tu vas en baiser du bol. Pareil, le piment, tu vois, c'est moins cher qu'en France. Mais est-ce que c'est la même qualité qu'en France? Ah, bah ouais, à base par ici, t'as vu, de base avant d'aller en France. Après, ça dépend, t'as vu, y'en a, ils vont chercher ailleurs, mais il y en a beaucoup, ils viennent chercher en Espagne. Donc, du coup. Le qui vient du Maroc et il est moins cool que qu'en France, je pense. Du coup, là, on est officiellement en Espagne. Et du coup là c'est là la zone où ça achète les garros tout. Voilà, c'est ça. Parce que tu vas en paquet, c'est ici le frère. Ouais, c'est ici que ça se passe, hein. Là il y a les craqués là. Ça tourne fort ici ou quoi? Ouais, en vrai ils sont plus sous moche, sous extasie, t'as vu, sous. Eux ils ont un truc spécial, c'est avec de la colle, une cuillère, t'as vu, tu leur bicraves un truc de colle, ils sont contents, tu vois. Oh là, ils peuvent se défoncer avec tout ici, déodorant. Je nous conseille quel magasin si ça veut acheter du tabac, des bouteilles, n'importe quoi. Bah pour le tabac, en vrai, t'as le tabacos là ou celui-là, c'est les mêmes, en vrai, c'est les mêmes prix. Là, t'as le salon de jeu. Ça ferme à 2h du matin. Tu vas aller à la roulette. Tu passes ta carte d'identité, tu passes la soirée. Et après, là-bas, t'as un magasin de bouteilles, on va y aller juste après. Je pense que c'est juste que justement, je te file. Tu vas voir les. Il y a toutes les bouteilles. Et du coup, est-ce que ton blaze chef là, ça vient de ça? Bah ouais, bah t'as vu, moi j'ai commencé, de base je m'appelais Flash. Et vas-y, je sais pas, au bout d'un moment, t'as vu, justement quand j'ai perdu le compte et tout ça, on a voulu changer. Après j'avais sorti le premier clip, du coup j'ai appelé chef là, c'est juste pour inverser le truc. Parce que j'étais tout. Je suis commencé à mettre beaucoup sous Flagash. T'as raté? C'est-à-dire au début c'était Flash, après ça m'appelait chef là. Et voilà. Bon, du coup là c'est magasin de bouteilles, c'est lequel ça veut dire? Là magasin de bouteilles il y a celui-là, là c'est plus nourriture et tout. Et là c'est celui-là, le vrai magasin de bouteilles, on the road. Là tu connais, regarde. Il y a tout ce que tu fais. T'as les Grégouze à 28 euros, Chiroc 23 euros. Il y a la contrefaçon aussi ici. Là c'est du réel, mais après ça c'est des simples. Ça c'est que du falche. Là t'as les tentes, t'as. Réel, venez. Les quêtes qui en cours. Oh, c'est non, carré. Là, c'est du falche. Là, il y en avait une ici aussi, elle était pas mal. Voilà. Du bon falche. Mais allez, tout est fermé. Là. Mais quoi, se dire falche et tout. Non, les policiers viennent pas casser les couilles ici. Non, ils viennent pas casser les couilles. Surtout, t'as vu là, de l'autre côté à Béobi, il y a vraiment un petit réseau de contrefaçon de vêtements. Et t'as vu, c'est de la bonne contrefaçon et tout ça. Tu peux acheter des montres et tout ça, des Rolex. Ah oui. Ouais, non, ils se font pas péter. Après, t'as vu, ils font ça discrètement aussi. Ils ont des petites boutiques. Les Condés, ils viennent pas casser les couilles. C'est quoi, ça, c'est quoi? C'est commissariat, tu m'as dit? C'est commissariat, regarde, là, la voiture sortie. Ouais. Voilà, putain, commissariat, Iroun. Ils sont comment, les keufs d'Espagne ou les keufs de France? C'est lequel les pires? Je sais pas, eux, ils aiment bien la matraque. Ah ouais? Ils aiment bien des coups de matraque. Quoi, y'en a déjà un qui a expérimenté une garde avant en Espagne ou quoi ici? Oui! Oui! Moi, je suis à l'experte, moi. C'est comment les gardes là? Alors ici, c'est comment? Moi, j'ai fait celui-là, j'ai fait palais de justice là-haut, je suis allé à Pamplune, j'avais fait 3, je crois, en Espagne. Et les conditions, c'est comment? En vrai, les conditions, ça va. T'as vu, j'ai connu aussi en France, ça veut dire Saint-Jean-de-Luz. Enfin, en vrai, c'est à peu près les mêmes. Un petit matelas, c'est de tapis de gym, petite couverture. Après, moi, t'as vu, je l'avais fait carrément, j'avais eu accident de scooter. Gueule arrachée, j'avais bras cassés, quasiment, tu sais, entorse et tout ça. Ils m'ont pas amené à l'hôpital. Je suis allé en garde à vue directement. Là, c'est le côté des belles maisons, un peu, je vois aussi. Ça, c'est pas des maisons. C'est pas des maisons, ça. C'est genre en mode des anciennes, t'as vu. Ah. Après, ouais, quelques. Et là, c'est les. Pour l'instant, c'est les beaux endroits du Iroun. Ça, c'est l'entrée. Il y a quelques petits quartiers à Iroun, quand même, ou quoi? Ouais, il y a le quartier Santiago. D'où le quartier Santiago? Et on vient de le passer. Ah ouais, c'est ici. Derrière de ces bâtiments-là. Il y a la place Moscou, t'as vu là, c'est un petit truc aussi.
là où la place Saint-Juan. Là, c'est le palais de justice. Tu vois les drapeaux là, européens, espagnols, basques. Mais ça, c'est dire, il y a une question que je vais poser. Imagine, t'es là, tu fais un délit en Espagne. Ouais. Tu cours jusqu'à la frontière française. Normalement, les Condés peuvent rien faire. Normalement, ils peuvent rien faire, mais ils ont comme une petite délimitation. Tu vois, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les. Tu vas à Saint-Jean-de-Luz, tu peux croiser des Condés espagnols. Ouais. Ah ouais? Ça dépend les délits, mais selon les délits, ils peuvent poursuivre jusqu'en France. Ils peuvent te contrôler, tu vois, mais tu peux les croiser. Ça nous est arrivé, tu vois, là, de faire des chasses en scooter, sans casque et tout, et tu vois, on était en France, on allait en Espagne, et les Condés peuvent rien faire. Là, on est. Ah, plus, c'est bon. Là, c'est ça, regarde, c'est la boîte. C'est cool, là, que je te dis que c'est. S'est écroulé le plafond il y a pas longtemps. Ah, c'était ça. Ça là, c'est en construction. Et c'est là où tu as tous les jeunes du Rouen et d'Andaï. Bon, là on y va plus trop, mais ça allait ici vendredi soir, samedi soir. C'est une petite zone à dégâts ici. Tu passes des bonnes soirées. Tu viens pas là si tu veux passer des bonnes soirées. Là, ici, c'est la zone pour si t'as faim. T'as Domino's Pizza, t'as le truc adien, t'as Marocain, t'as tout. C'est où que ça mange le mieux? C'est où ça mange le mieux, France ou Espagne? Je sais pas, nous on est. Ici on est plus tagine et tout ça. En Espagne c'est mieux que. Parce qu'ici là t'avais vu, il n'y a pas de tagine tout ça en France jusqu'à Bayonne, t'as vu qu'il faut aller jusqu'à Bayonne. En Espagne t'as pas de tagine. Ici là nous on vient manger ici. Marocain, kefta et tout ça. On boit le petit thé à la menthe. Voilà, c'est la régalade. La régalade, tu vois ici là. Là, c'est le petit truc ici les meilleurs, les gros c'est bizarre. Ah ouais? Ouais. Là Domino's Pizza là, vaut mieux pas les manger. Ils offrent des pizzas ici. Les petites épiceries là-bas là où tu as du monde. Les épiceries, ça s'est ouvert toute la nuit, tu vas acheter à Piche ou des petits paquets de chips ou quoi. C'est où que c'est le plus animé on va dire, que ça ville plus, c'est en France ou en Espagne? En Espagne. En Espagne hein? Largement en Espagne. En France voilà, ils sont endormis ici. Les Français d'ici viennent en Espagne, t'as vu. Ceux qui veulent faire la fête. C'est-à-dire il y a les Espagnols et les Français. Parce que les Espagnols ils vont pas en France faire la fête. Ouais, c'est que les Français ils viennent ici. Ben là on a Irun. Là c'est l'endroit où on se calme tout le temps, t'as vu. Normalement on va là-haut, mais l'intérieur en ce moment c'est fermé. On peut pas y aller. T'as tourné quelques clips à Irun ou quoi? Non, j'ai jamais tourné à Irun parce que le poteau il pouvait pas y aller. Après on a un poteau qui a tourné ici, c'est Sari comme je t'ai dit. Il a tourné juste là-bas, là, au fond. Et au stade de foot, on va aller peut-être après. Comment c'est la différence d'ambiance entre Irun et Hendaya? En Hendaya, la verdad, solo estamos nosotros, la gente que has visto ahora por ahora en el vídeo. Y en cambio, aquí, cuando estamos en Irun, estamos con bastante gente que, aunque no les conozcamos, estamos aquí, está bien, y viene más gente, aquí hay siempre más movimiento. Esa sería la palabra, movimiento. Y hay des gens qui viennent y partent ici. C'est qui le plus gros rappeur d'Irun, on va dire, s'il y en a un. Le gros rappeur d'Irun. Bah, nous, on va dire Sari. Hein. Ouais, on dit Sari parce que voilà. Il n'y a pas trop de gens. Mais après, il n'y a pas trop de gens qui rappent. Ouais. Ouais. C'est plus tu sais, des reggaeton et tout ça. Non, ah ouais, ouais. Pas, on n'est pas dans la musique. C'est pas les mêmes. Ça va? Ça va? Ça va ou quoi frérot? Bien, tranquille. Bien. Toi tu es Assess Musica? Hein? Ouais, un peu. Ça va? C'est comment? Présente-toi un petit peu frérot. Ouais, moi je suis Lombard, je viens d'ici, d'Irun. On se bouge un peu partout. Pas France et tout ça. Mon pote, bien le sang. Y'a sa casse-t-il avec nos vidéos? Ouais, non, on a rien fait encore, mais tu vois, on est en train de faire. Lui, oui, on a parlé déjà. Des ouais, on a fait des petits freestyles, tu vois. Mais rien de concret encore pour l'instant, mais t'as vu, ça se fait ça. Je t'ai dit, on avait des projets, on va faire des trucs avec du coup France-Espagne. T'es espagnol ou t'es français alors? Ouais, je suis né ici, mais je suis parti en France. Ah, bah ça va. On a appris un peu le français. Lui, l'espagnol, t'as vu, mais on parle bien français. Ouais. Mais là, on est au stade. C'est le stade de là où on joue. T'as vu, t'as bien reposé aussi. Ici, là, tu peux en faire des barbecues aussi. Barbecue partout. Voilà, il y a le stade, ça veut dire gros, c'est où que ça joue le mieux, France ou Espagne? Ça joue en Espagne. En Espagne, hein? Les entraînements sont plus compliqués, ils sont plus durs là-bas. Après, t'as vu, maintenant, je pense que niveau professionnel, en France, ça joue plus.
avec l'argent. En Espagne, t'as vu, ça se perd. Mais avant, en tout cas, t'as vu, au Real Madrid, Barcelone. C'est le club, tu peux pas contester. Oh, dis-moi, en que parte de Irún estamos? Ahora estamos en el parque de Parchís, que llamamos. Este es un parque que se llama así porque justo ahí al lado hay unas casas que en la pared tienen colores como en el Parchís. Entonces, pues es la referencia. Aquí viene la gente sobre todo a entrenar. Hay chavales que vienen aquí con sacos de boxeo a hacer sus entrenamientos. La gente, nosotros mismos cuando estamos bien, venimos a jugar al fútbol aquí con los chavales del barrio, todo. Aquí la verdad, toda la gente, todos los que somos así de nuestra edad, nos conocemos todos. Entonces venimos aquí, la gente viene ahí a pasear sus perros, porque aquí también hay muchos amantes de perros. Justo el chico que se ha ido con la bici, él también tiene un buen perro. Yo vi que hay el campo, o sea, ¿hay buenos jugadores aquí? Sí, hay buenos jugadores. Hay chicos, la verdad, que chicos así pequeños, que tú ves y dices, todavía es un niño. Puede hacer cosas que dices, bueno, hay jugadores que vienen aquí. Hay niños así pequeños juegan en la Real. Eso es, niños que vienen aquí a pasar su tiempo y tú no lo sabes, pero juegan en un equipo, en la Real Sociedad, por ejemplo. No hay nadie que ahora es profesional aquí, que viene de Irún. Había un jugador profesional aquí, pero no me acuerdo su nombre. Je me rappelle pas de son nom, mais oui, había un profesional, il a étudié dans la même école que j'ai étudié. Il y a eu des anciens ici, tu sais, Bichente Lizarazu. À Andaï. Il vient d'Andaï. Ah. Didier Deschamps à Bayonne. Ah, à l'époque, c'est vrai, Bayonne et tout. Il y avait des joueurs qui venaient de là-bas. Aujourd'hui, ouais. Là, t'as joué à Neko de Bayonne. Joué à Neko, ouais. Joué à Bordeaux. Ouais, c'est ça, mais Andaï, il n'y a plus trop de. Non, après les églantins, voilà, moi j'ai joué là-bas. C'est pas un club de foot, voilà. Et d'appartement cher d'Irún, voilà. C'est un autre quartier d'Irún, ça? C'est pas un quartier, mais c'est une petite zone, t'as vu, où je connais. Ici, ça bouge beaucoup. Ici, là, ça se pose. Bon alors, frérot, après ce petit tour en Espagne, ça retourne en France, c'est ça? Là, ça ressort du Rhône, là. Là, il y a des parcs et tout ça. Il y a aussi des festivals tout ça pour les skaters. Et là, ça va se diriger vers quel côté, là? Là, on va retourner un petit peu plus vers le nord d'Andaï, le quartier d'Ario, là où j'ai fait aussi mes premiers clips. Purchase your trap today. Ouais, du coup, ça a clippé ici. Du coup, dans cette rue-là, ça sent pas lui. Donc, t'as capté, ça fait un petit peu le tour de la ville, à peu près. On a fait des plantes en marchant ici là. C'est une ruelle, elle est spéciale. Il est arrivé des trucs ici. C'est notre ruelle, t'as capté. Bon là c'est le centre-ville d'Andaï encore ici. C'est rue des jardins. Ouais, c'est une rue normale. Mais ici ça a eu des. Centre-ville, mais ici c'est notre rue à nous. Là ça se pose le plus la médiathèque, tout ça, non? Ouais, du coup ça se pose dans la média. T'as vu comme t'as capté le poteau, l'habite là. On est tous proches d'ici. Ici c'est le centre un petit peu d'où on habite tous. Ouais. Non, mais d'ici y a pas vraiment de quartier, tu vois. Par le quartier d'Ario. Ouais, là où on va aller là. Où on va aller. Après, en vrai, le quartier c'est la ville, tu vois ce que je veux dire. Toute la ville. Toute la ville, tu vois. Tu connais, c'est ouais, Mathéo, là, une petite Saint-Jean là qui a pas encore sorti, qui a rien sorti pour l'instant, mais qui va arriver. La petite pépite de la zone. Il va arriver fort. Il va arriver fort, voilà. T'as rien sorti toi encore, hein? Non, rien sorti, pas encore en tout pas cas. Encore. Ça va arriver prochainement et on va voir comment ça fait. Que des exclus, que des petits sons studio, mais ça tape fort. C'est carré. Ça va arriver quand? Ça va arriver quand le premier clip? Je pense fin d'année, ça va sortir ça, mais un truc bien organisé, quoi, un truc pas à la zèbre. Comme ça va faire ça bien et. En essayant que ça tourne et qu'on fasse écouter ça un peu de partout, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner un petit peu. Ouais, ça va tourner, un petit peu. Tourner. Là, on est dans le quartier d'Ario, du coup. Petit quartier d'Andaï. C'est là où on a grandi, là, nous. On traîne tout le temps. On est ici. Et ça, c'est le bâtiment 6. Nous, on est toujours posté en bas. Là, t'as le petit city pour taper les foot, barbecue, t'as des petites maisons dans le quartier là aussi. Là. T'as plein de maisons, t'as vu?
Et après, t'as quelques bâtiments. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Là, c'est petit, hein. Ouais, c'est petit, c'est un petit quartier. C'est le seul quartier d'Hendaye. Non, c'est pas le seul. Et après, il y a le quartier des Joncos. Ça, c'est du coup vers la frontière de Béobi. Là-bas, c'est un peu plus grand. Et après, t'as un autre petit quartier aussi. Ça, c'est une résidence, la résidence d'Hirondot. T'as vu, c'est pareil, ça, c'est au centre-ville. Du coup, là, ça, c'est le bot. Là, c'est là où on a clippé. Et ici, on a fait Yodou 1. Là, dans le petit tunnel en bas, on va y aller juste après. Là. Et dans ce bâtiment-là, là, on a fait Khaléa, c'est le feat avec l'espagnol. Juste ici, là. On a grandi dans ça, pas de blême. C'est nous, on t'attrape pas de bol. Le pétard chargé, pas de blanc. Dégaine pas si t'as pas de balle. Belek à ta vie, y'a les métaux chargés, Paris, et j'ai les méthodes. C'est moi, t'as la nuit qui tient un canon, encore coffré dans un Parkinson. Canon dans la bouche, là, t'as Parkinson. La putain qui tremble forcée par les sommes. Alors, c'était comment le feat avec l'espagnol, du coup? C'était avec qui? C'était avec Nero, du coup. Le poteau de Saint-Sébastien, du coup. Qui est venu habiter en Dai. Et nous, c'est qu'à l'ici, on a fait notre feat. On a cliqué aussi, du coup, de l'autre côté du bâtiment. Et à l'intérieur. Et après, c'est ça. Et quoi, c'est comme à Irun, je sais qu'à Irun, du coup, il y a des Français, ils y vont se poser hein, et tout. Est-ce que ici, non, dans ce quartier-là, il n'y a pas d'Espagnols qui viennent? Il n'y a pas d'Espagnols ici, pas trop. Enfin, après, t'as vu, il y a des Espagnols qui habitent, mais ici, c'est plus vraiment notre groupe à nous, t'as vu, on se pose là, personne d'autre. Avant, on avait la cave ici d'ouverte, on pouvait rentrer avec canapé, play et tout ça. Ils nous ont fermé les caves à cause des descentes et tout ça. Bon, on a vu un peu les quartiers d'Irun, c'est comment? Est-ce que ici, c'est comment? C'est plus propre, c'est plus délabré? Ah, ici, c'est plus propre. Surtout là avant c'était plus délabré, mais là ils ont commencé à refaire un petit peu, tu vois, les peintures même, tu vois qu'elles sont d'œuvre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ici, vas-y, c'est tranquille, c'est un quartier, c'est tranquille, il se passe rien. C'est pas un four, tu vois ce que je veux dire. Alors dis-moi. Tout le premier plan là, tout près, plan de cul, avec le zoo. Je vais poser juste ici, lui, vous avez filmé Dieu de face. On a fait Yudou 1. Et après, on a refait Khaléos, mais de l'autre côté. C'est le tunnel où on se pose aussi, t'as vu le soir, ils allument les lumières. Et voilà, on est mal. Et après là-bas, c'est, là, c'est plus le quartier, c'est plus... C'est là, c'est toujours le quartier. Ouais. Après, t'as l'arrêt de bus là-bas. Après, juste, c'est quand tu descends de, en mode là, t'as des descentes de pente là, t'en as trois. Après, quand tu descends, ben, t'es plus dans le quartier. C'est carré, c'est là, carré. Là, t'as notre bâtiment là, tu vois. Ouais. Là, ça continue. Ici, le bâtiment, jusque là, jusqu'à tout là-bas. T'as que des bâtiments après. Bon, sinon, frérot, c'est quoi un peu les projets aussi, toi, qui arrives là? Voilà, les projets d'où t'as vu, ben, faire des. Là, avec Tchao, on est en de travailler sur. Pour faire du coup, comme je t'ai dit, une petite série rap. Relié avec, du coup, l'Espagne. Après, on va essayer, du coup, de faire des feats aussi avec pas mal de gens de la zone. Bon, j'ai Yodou 3 qui va sortir bientôt. Après, on va essayer d'envoyer plein de clips, hein, au maximum. Au fur et à mesure, tu connais. Faire comme ça. Bon, dernière question, frérot, la même à chaque fois. Celle-là, je l'ai dit dans toutes les vidéos. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? FC Nantes. FC Nantes? FC Nantes, voilà, fidèle. C'est carré. Pourtant, tu le dis pas, mais t'as joué à la Real Sociedad. Hein. Ouais, j'ai joué, mais vas-y, j'étais petit. J'ai fait un an et vas-y, c'était un club de cœur. C'est parce qu'on m'a dit, venez faire les détections par ici, vu que c'est à côté. C'était facile de rentrer dedans. Bon, c'est quoi tes réseaux? C'est quoi dessus, frérot? Moi, mes réseaux, c'est chefla.h24 sur Instagram. Enfin, sur YouTube, pareil, chefla.h24. Après, j'ai pas d'autres réseaux. Tout est bon, frérot. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. C'est carré. Voilà, tu reviens quand tu veux. On est ensemble, ça fait plaisir. Ah, putain, là, c'est moche. L'année dans la mâche. Alcine comme la mort blanche. Des frères, vendus la mèche. Moi, c'est tout pour les miens. Chargé dans un merco, je parle pas avec toi. Si t'as l'air qu'on fait belle et qu'à toi, si j'ai l'air cool. Rentre dans le crime d'un coup, qu'est-ce que t'en veux? Me recharger sous la veste en